sur la technologie et le modèle de données tracker. D'accord? Donc, les objectifs de cette section, c'est de revoir ensemble le modèle de données dans le contexte du tracker DHS2. Et je rappelle au passage que dans le DHS2, nous avons deux modèles de collecte de données. Nous avons les données agrégées et le modèle. D'accord? L'agrégé, il s'agit des formulaires qui ont une périodicité mensuelle, hebdomadaire, annuelle, etc. Mais les trackers, c'est le type de formulaire qui sont utilisés pour le suivi individuel des entités, comme des personnes ou des objets, et qui n'ont pas une périodicité définie, et, puisque la donnée est collectée et, au moment où l'information est disponible. D'accord? Donc, dans cette section, nous allons voir un peu ce modèle de données dans le contexte tracker DHS2. Et nous allons un peu voir les termes et le jargon DHS2 lorsqu'on parle du tracker. Et nous allons un peu voir comment se passe l'interaction des données, le flux des données et dans le modèle tracker. Ensuite, nous allons voir comment les différents composants de ce modèle interagissent entre eux et pour qu'on puisse créer une collection complète des données pour un tracker donné. Donc, le modèle de données tracker est... C'est la partie qu'on peut dire ce n'est pas accessible à l'utilisateur, c'est-à-dire ce n'est pas modifiable. C'est un modèle qui est défini et donc on peut le paramétrer, c'est ce qu'on peut faire, mais ce modèle est intrinsèque au DHS lui-même, ce n'est pas une partie que l'utilisateur peut modifier. Donc, il est important de comprendre la structure des différents objets et comment ils sont définis pour pouvoir bien les configurer et avoir des métadonnées et qui fonctionnent bien et qui collectent les données comme il faut dans le système. Et je rappelle que le DHS2, quand on l'initialise au tout début, quand on tenait une base vide, rien n'est configuré à l'intérieur, c'est à vous de paramétrer élément de données par élément de données, métadonnées par métadonnées pour construire vous-même vos formulaires et vos programmes. Donc, qu'est-ce que nous avons comme type de métadonnées dans notre DHS2? Lorsqu'on commence par le paramétrer, nous avons ce qu'on appelle les unités d'orientation, que vous connaissez très bien. Et il s'agit là de l'arborescence de votre pays et de votre pyramide. Donc, vous avez par exemple le niveau 1, qui est le niveau pays, que vous allez paramétrer vous-même. Si vous avez par exemple, si vous êtes en Guinée, vous allez dire le niveau pays, c'est Guinée. Donc, vous allez créer ce niveau pays. En dessous de ce niveau pays, vous allez créer ensuite les différents niveaux inférieurs selon l'élaboration de votre pays. Donc, vous avez le pays, vous allez créer ensuite les régions, ensuite les districts, ensuite les formations sanitaires, les hôpitaux, et même ensuite, vous pouvez ajouter les différents services qu'on a dans un hôpital. D'accord? Donc, on a aussi des métadonnées qui sont des types éléments de données. Donc, c'est l'élément le plus atomique qui peut contenir une valeur. Exemple d'élément de données, vous allez créer nombre de cas, et de palisme. Et exemple, dans le domaine tracker, vous pouvez créer, par exemple, le résultat du laboratoire, issu du patient, etc., etc. Donc, on a aussi comme métadonnées les indicateurs qui sont des données calculées dans notre système DHS2. Là, vous avez en outre des indicateurs du domaine agrégé et des indicateurs aussi tracker. Et vous pouvez avoir un mélange des deux qu'on appelle des indicateurs combinés, c'est-à-dire à la fois des données agrégées et des données tracker. Nous avons les attributs qui sont aussi les métadonnées. Donc, les attributs vont identifier les personnes, les attributs que nous suivons. Donc, nous allons revoir tout ça en détail tout à l'heure. Donc, lorsqu'on prend un modèle, les métadonnées du tracker, et on peut les structurer comme suit. On peut avoir deux grands blocs qui définissent notre modèle tracker. Notre premier bloc va concerner l'entité qui est suivie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de suivre dans notre programme tracker? Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit d'un animal? Est-ce qu'il s'agit d'un établissement, un bâtiment ou bien un produit si vous êtes dans le domaine de gestion de stock ou des LMS? D'accord? C'est ça qui va définir l'entité que nous suivons. Et nous avons toujours dans le bloc des identifiants et les attributs de l'entité. Donc, l'attribut de l'entité, c'est ces caractères qui entre guillemets, ne changent jamais avec le temps. Si vous prenez une personne, par exemple, et la date de naissance de la personne n'est pas censée évoluer, le sexe de la personne, bon,
n'est pas censé changer, et ainsi de suite. Donc, le nom, le prénom, c'est des choses qui ne changent pas, mais qui identifient la personne, même si ça change, il suffit de mettre à jour, mais ça identifie la personne et ça fait partie de ces critères qui n'évoluent pas tous les jours, d'accord? Donc, c'est ça les attributs de la personne. Et maintenant, nous avons l'instance de l'entité civile. L'instance de l'entité civile, c'est simplement, disons, les données lié à l'entité, mais qui est propre à une personne. Donc, je m'explique. Supposons que j'ai le programme de surveillance COVID qui est là. Le programme a été conçu pour suivre des personnes, n'est-ce pas? Donc, lorsque, par exemple, je vois M. Abalo qui entre dans mon programme, il devient une instance de l'entité personne qui est suivie dans mon programme. D'accord? Autant de personnes que vous allez enrôler dans votre programme, ça fera autant d'instances de l'entité qui sont suivies dans mon programme. Tout simplement. Et je rappelle qu'une entité est peut-être enregistrée, mais ne peut être enrôlée forcément dans un programme. Il peut être enrôlé dans plusieurs programmes. Nous allons voir ça en détail tout à l'heure. Donc, ce premier bloc que vous voyez sur l'image qui a et identifie le concept, donc ce qui va identifier et les caractéristiques de notre entité personne, notamment notre patient en l'occurrence ici. Le deuxième bloc ici qui est coloré en bleu, là, on va décrire plus les informations que nous recueillons par rapport à notre entité que nous suivons. OK? Donc, dans cette bloc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord le programme lui-même, c'est-à-dire le programme auquel nous avons enrôlé notre entité. Comme je le disais tout à l'heure, je peux avoir plusieurs programmes trackers dans mon système. Je peux avoir le registre de vaccination COVID, je peux avoir la surveillance COVID des contacts. Donc, ça me fait trois programmes trackers, mais c'est à moi de décider dans lequel de ces programmes j'enrôle et l'instance de mon entité qui est suivie. OK? Donc, lorsque l'entité est enrôlée dans le programme, nous avons les étapes du programme qui sont là. Donc, les différentes étapes, c'est les différents stades à travers lesquels nous allons suivre notre patient. Il y aura le stade où nous recueillons les informations de base, la comorbidité. Nous avons un stade où nous allons demander les tests de laboratoire, un stade où nous allons récupérer les extraits de laboratoire, et nous avons quand même un dernier stade qui va contenir le suivi du patient, et etc., etc. D'accord? Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les événements. Donc, un événement, c'est simplement l'exécution d'un stade. Donc, supposons quand je demande un test de laboratoire dans le stade, dans l'étape laboratoire, c'est un événement qui est en train d'enregistrer. D'accord? L'événement demande des tests de laboratoire vont constituer là où je saisis les données dans ce stade-là par rapport à mon entité suivie. Et nous allons y en venir en détail tout à l'heure. Vous allez voir qu'on peut avoir une étape qui se répète, bien une étape qui est ponctuelle dans le temps. Donc, les éléments de données. Donc, les éléments de données, et c'est, comme je l'ai dit, c'est la méthode de la prise atomique avec laquelle on capture une donnée avec ses dimensions et la, et disons la période, mais ici c'est le temps pour le tracker, le type d'élément de données et où ça a été collecté. D'accord? Donc, l'élément de données va contenir toutes les informations et atomiques que nous collectons par rapport à notre patient, et notamment peut-être les choses, les co-infections qu'il a eues, les symptômes, etc., etc. D'accord? Sa température et tout ça. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les ensembles d'options. D'accord? Dans le DHS, de quand on dit ensemble d'options, c'est l'équivalent des listes déroulantes. OK? Supposons que vous voulez, pour écrire l'information, par exemple, avez-vous de la fièvre? Vous allez créer un ensemble d'options qui contiendra lui trois options, par exemple, oui, non ou n'est-ce pas. Donc, quand vous allez créer ces trois options, oui, non, n'est-ce pas, vous les combinez dans un ensemble d'options que vous allez assigner à l'élément de données, avez-vous de la fièvre? Donc, quand vous allez venir maintenant au niveau du formulaire, pour répondre ou capturer la donnée pour la question « Avez-vous de la fièvre ?» Lorsque vous cliquez sur le champ de saisie, vous verrez ces trois options se dérouler. Oui, non, ne sait pas. Et vous aurez juste à choisir l'une des options pour capturer la valeur. D'accord? L'intérêt des ensembles d'options, c'est on l'utilise quand on connaît les réponses déjà pour une information donnée. Si la liste de réponses est connue, donc on verrouille ces informations dans une liste d'options, comme ça, on est sûr que les utilisateurs ne mettront pas autre chose que les réponses possibles. Tout simplement. Donc, le deuxième bloc bleu va décrire les informations que nous recueillons maintenant par rapport à l'entité que nous suivons.
Donc, les attributs, comme je l'ai dit, c'est pour enregistrer les informations de profil, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone, le numéro de votre carte d'identité, le numéro de votre passeport. Et ça peut être même une variable qui est calculée ou générée par les systèmes de manière unique. Et supposons que vous voulez qu'on génère un code unique, et un code patient, un code du dossier patient qui est unique dans le système. On peut créer un élément de données ID système qui va être généré par les DHSPE, qui serait unique et qui serait attaché à l'entité que nous enregistrons, tout simplement. Tout comme peut être ça, le numéro de sa carte d'identité, ce code aussi peut être unique, peut permettre d'identifier le patient dans tous les systèmes. Donc, l'entité civile, comme tu le disais, c'est juste une instance de notre entité. L'entité civile peut être une personne, un échantillon de laboratoire. Si vous êtes dans un tracker et pour la gestion, pour le test de laboratoire, le suivi d'échantillon, votre type d'entité civile serait un échantillon de laboratoire. Si vous voulez suivre, par exemple, ici, comme un village, votre entité serait le type village. Okay? Donc, je précise ici au passage. Et si vous avez, par exemple, quatre programmes dans votre DHS2, si vous avez quatre programmes dans votre DHS2 qui suivent les personnes, vous n'avez besoin que d'une seule entité de type personne dans votre système. Vous n'allez pas créer le même entité personne parce que vous avez quatre programmes tracker qui suivent la personne. D'accord? Et dans le cas de fait DHS2, par exemple, le programme que nous avons concerne et je crois que c'est le suivi des contacts, et le registre de vaccination COVID et la surveillance de cas. Donc, trois trackers suivent ce qu'on appelle une entité personne. Donc, on aura juste une seule entité personne qui est paramétrée dans notre système. Et l'instance d'entité suivie, le TEI, comme on le dit si bien en anglais, Tracker Entity Instance, et ça devient juste. Maintenant, ça désigne simplement l'information effective d'une personne, d'une entité qui est capturée dans votre programme. Okay? Comme je l'ai donné tout à l'heure en exemple, lorsque j'enrôle M. Kodjo dans mon programme et ce cas de surveillance COVID, je suis en train de créer l'instance d'une entité, donc de l'entité, et qui sera attachée à mon programme donné. OK? Ensuite. Donc, toujours dans les terminologies, la date d'incidence. Bon, la date d'incidence, on va dire que c'est la date à laquelle la raison de votre enrôlement dans un programme a commencé. Il peut s'agir simplement de la date d'apparition des symptômes du COVID-19, par exemple. Donc, supposons que depuis hier soir ou bien avant-hier soir, j'ai remarqué que ma fièvre et ma température augmentaient, que je tousse, etc. Et qu'aujourd'hui, je me rends dans un centre de santé. On va me demander depuis quand est-ce que j'ai eu les premiers symptômes. Je dirais depuis avant-hier, donc depuis le 7. Et là, dans le programme, ma date d'incidence sera équivalente au 7 mai 2022. D'accord? C'est la date à laquelle, probable à laquelle, j'ai peut-être chopé la maladie ou attrapé la maladie. Donc, c'est ce que nous appelons ici la date d'incidence. Si vous n'êtes pas dans un programme où on suit les femmes enceintes, et lorsque une dame remarque qu'elle est enceinte et qu'elle va à l'hôpital, et la date d'incidence serait la date de ses dernières règles. Donc, on va supposer que c'est à partir de cette date que la grossesse a débuté. Donc, c'est juste un exemple. Maintenant, la date d'inscription va être la date à laquelle, effectivement, on est en train de vous enregistrer dans le programme Tracker dans le DHS. Donc, la date où on vous a vu et qu'on vous a fait la consultation, etc. Et qu'on saisit votre information proprement dit dans le système. Donc, c'est deux dates bien différentes à ne pas confondre. Et l'inscription, c'est l'enrôlement dans un programme, c'est-à-dire on a créé vos informations. Et on a créé votre entité, votre TEI. Maintenant, vous vous inscrivez dans le programme pour lequel vous êtes là. Si vous êtes là pour la vaccination COVID, on vous enrôle dans le programme de vaccination. Et si on contacte et qu'on doit vous suivre, on vous enrôle dans le programme suivi de cas contact. Et si dans le cadre de la surveillance, on vous enrôle aussi dans la surveillance, ainsi de suite. Donc, on prend votre TEI et on l'inscrit dans le programme pour lequel cette personne est là. Donc, je le répète encore une fois, vous pouvez avoir une personne dans votre système qui est enrôlée dans plusieurs programmes.
Si on sort même du contexte COVID, vous pouvez par exemple avoir une personne qui est à la fois dans le programme de vaccination et que vous allez aussi retrouver à la fois peut-être dans le programme de nutrition. D'accord? La personne est dans le système, mais assignée à différents programmes selon les besoins ou bien selon son état de santé. Et région de l'état donné, je vais peut-être rapidement vous montrer une page. Lorsqu'on parle avec le DHSE, donc vous allez avoir quelque chose de ce genre, c'est-à-dire le formulaire de votre programme FACOR qui va s'afficher. Je pense que demain, nous allons revenir en détail sur la saisie de données dans ce formulaire. Donc, le formulaire, on le design en fonction des besoins. Vous allez voir qu'avant de concevoir votre programme FACOR, vous allez devoir, par exemple, avoir un modèle papier qui est là, un diagramme des flux qu'on vous partage pour que vous compreniez le process, les différents acteurs qui entrent dans la saisie de ce tracker, les différentes informations qui sont demandées dans le tracker, et c'est en fonction de cela que vous concevez ce formulaire-là. D'accord? Et donc, si je reviens à mon slide, nous allons revenir encore en détail tout à l'heure. Et toujours la terminologie, programme. Donc, le programme va définir notre programme tracker pour PEMADI. Et un programme va avoir plusieurs phases, différents stades, différentes étapes, et à travers lesquelles nous allons passer pour recueillir les différents et dont on a besoin pour notre patient et pouvoir faire et programmer des tâches futures et des prochains rendez-vous, etc. En tout cas, suivre notre patient, le traquer et jusqu'à avoir, disons, les informations nécessaires jusqu'à atteindre à l'issue et de notre programme qui peut être positif comme négatif. D'accord? Donc, si c'est un échantillon de laboratoire, nous allons suivre depuis quand on a prélevé l'échantillon, depuis et quand l'échantillon arrive au laboratoire, les résultats que le laboratoire donne, etc., etc. Et si c'est une personne qui est suivie, nous allons suivre simplement les examens cliniques qu'elle a faits, les traitements qu'elle a pris, et nous allons aussi suivre le monitoring de ce patient, ainsi de suite. Les étapes du programme, comme je l'ai dit, c'est les différentes phases de notre programme. Et pour le cas de la surveillance, nous allons avoir une phase où nous recueillons les informations de base et les informations générales pour morbidité, signes et tout ça. Deuxième phase, programmer un test de laboratoire. Troisième phase où nous allons recueillir les résultats du laboratoire. Quatrième phase où nous allons définir l'issue du patient. Donc, un événement, et comme je l'ai dit, un événement, c'est lorsque vous rentrez des informations dans une stade, dans une étape d'un programme, vous êtes en train de créer un événement. Donc, supposons que j'ai enrôlé Monsieur Alpha dans mon programme et surveillance et cas COVID. Et lorsque je prends son nom, prénom, sa date de naissance, son adresse, son tuteur, etc., je suis en train d'abord de créer son entité, son instance. Ensuite, je l'inscris dans le programme de surveillance. Donc, dès que je l'inscris dans le programme de surveillance, je suis maintenant habilité à saisir ces informations dans les différentes étapes de mon programme. D'accord? Donc, dès que j'ouvre la première étape où je prends les informations générales et les informations de. Quand j'ai créé l'événement là et que j'ai saisi les informations, et c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'événement. Donc, le stade était là, il n'avait rien, mais dès que je commence par entrer des informations pour ce stade, je suis en train de créer un événement par rapport à ce stade. Donc, l'événement, il faut comprendre qu'il peut revêtir deux formes. Et si vous avez par exemple une étape, prenons toujours le cas du premier stade. Première étape, où vous prenez des informations générales, vous allez voir que vous prenez ces informations qu'une seule fois. D'accord? Donc, ces informations-là, et pour cette étape-là, on n'aura qu'un événement seulement. D'accord? Maintenant, si vous prenez la deuxième étape, où nous programmons des tests de laboratoire, donc les tests de laboratoire, c'est quelque chose que vous pouvez faire plusieurs fois. D'accord? Donc, là, nous avons un stade qui sera répétitif, et pour ce stade, nous allons générer autant d'événements que nécessaire, c'est-à-dire autant de fois que nous demandons un test de laboratoire, autant de fois nous allons générer l'événement pour capturer les données par rapport à cette demande-là. Okay? Donc, nous avons des événements uniques pour les stades non répétitifs, et on peut avoir un ou plusieurs événements pour des stades
être répétitif. Nous allons voir tout à l'heure dans le graphique une meilleure compréhension. Et bien, je vais rapidement vous montrer la structure du programme. Et comme Agnès l'a dit, nous n'allons pas aller à la conception du programme, nous allons juste voir sa structure et de comment elle a été conçue. Et demain, nous allons capturer les données à l'intérieur. D'accord? Donc, si je viens ici, dans mon système, rapidement. Donc, je vais la maintenance. Donc, vous verrez que pour notre programme, si je vais dans le programme, nous avons bien sûr pour le programme surveillance basé sur les cas, nous avons une étape où nous définissons, bon, une première partie, une définition, le nom de notre programme, les critères généraux. Nous avons la partie où nous définissons maintenant comment va se passer l'enrôlement, est-ce qu'on permet les enrôlements futurs, etc. Et le nom de la date d'incidence et tout ça. Ensuite, nous définissons ici les attributs, c'est-à-dire les identifiants qui vont caractériser notre théorie, notre entité. Nous les définissons ici, nous choisissons les variables qui vont entrer comme attributs. Donc, vous voyez ici comme attributs, nous avons ID local du cas, ID des cas généré automatiquement par le système. Donc, le système génère pour vous un identifiant unique qui ne se répétera jamais dans le système, qui est unique. Il y a un ID local dont vous aurez besoin. Donc, par exemple, le pays a son schéma de code unique au cycle défini. Et on peut regarder le schéma et le hashing de ce code et le définir dans le système pour vous. D'accord? Nous avons le nom, prénom, l'âge, le sexe, l'adresse, domicile, pays, résidence, etc., etc. Donc, tous ces attributs doivent être et n'évoluent pas pour notre entité. C'est ce qui nous permet d'identifier notre entité. Si un jour on veut rechercher notre entité dans le système, on peut se baser sur ces attributs-là pour retrouver de manière unique notre entité dans le système. D'accord? Ça peut être son ID ou bien on se base sur la combinaison de plusieurs attributs, peut-être le nom, prénom et la date de naissance. On aura une liste et deux états qui sortira. S'il y en a deux, on pourra regarder les autres critères pour être sûr qu'on identifie l'entité qu'on veut voir. Un instant. OK. Donc, bien sûr, on définit les champs qui doivent être affichés dans la liste, les champs obligatoires, etc., etc. Nous avons ensuite la conception du formulaire. Donc, par défaut, nous prenons le formulaire par section. Donc, nous définissons ici l'ordre des différents champs. Nous définissons les différentes sections au besoin. Et vous pouvez faire un formulaire personnalisé, mais je vous recommanderais de ne pas trop le faire. Et ça peut créer des soucis lors de l'affichage côté Android, côté mobile. Ensuite, vous définissez les différentes étapes du programme. Donc, pour le cas de notre surveillance, basée sur les cas, nous avons les quatre étapes qui sont là. Donc, clinique, examination et diagnostic, donc les informations cliniques, les requêtes de laboratoire, les résultats de laboratoire et l'outcome, l'issue du patient. D'accord? Donc, pour chacun de ces stades, nous définissons bien sûr les différents éléments de données qui doivent être inclus dans ce stade. Ensuite, nous définissons quels seront les champs obligatoires. Nous définissons ensuite le design de notre formulaire. On peut le laisser par défaut, mais on utilise par section qui nous permet d'aligner le champ comme on le souhaite et créer les sections comme on le souhaite. D'accord? Donc, après la définition des différents stades, nous avons bien sûr l'assignation de notre programme au site, aux unités d'organisation. Donc, nous choisissons ici pour quelle unité d'organisation nous assignons notre formulaire. Comme ça, cette unité de connexion sera habilitée à saisir les informations. Ensuite, nous avons les notifications qui peuvent être paramétrées dans le système. Comme vous le savez, avec le DHS, il est possible de créer des notifications SMS, tout comme des notifications email. Et supposons, par exemple, vous vous enrôlez dans un programme de vaccination COVID. Lorsque vous enregistrez que vous prenez votre première dose, on peut vous envoyer un SMS disant, voilà, vous êtes enrôlé dans le programme COVID, vous avez reçu votre première dose, voici votre code. Et donc, revenez après un mois, deux mois, trois mois ou telle date pour prendre votre deuxième dose, etc. D'accord? Donc, sur l'indication, c'est vous qui définissez le canevas du message. Et si vous voulez envoyer des notifications par SMS, veillez à ne pas faire des canevas trop longs, sinon vous risquez d'avoir des SMS qui sont morcelés à destination ou même une partie seulement arrivera à vos
à vos patients ou bien aux utilisateurs. Donc, il faut vraiment faire attention à la taille. Donc, je reviens au niveau du slide. Donc, comme je le disais, les éléments de données, lorsque vous utilisez les éléments de données pour concevoir votre programme Quaker, et attention, on ne parle pas des attributs, on parle des éléments de données, c'est-à-dire les éléments que vous avez au niveau des stades, des différentes étapes, pas au niveau de l'enrôlement. Au niveau de l'enrôlement, ce que vous avez, c'est seulement des attributs. Mais au niveau des étapes, des stades, vous avez maintenant des éléments de données que vous créez, tout comme on crée les éléments de données pour le domaine agrégé, sauf que pour les trackers, vous devez préciser qu'on est dans le domaine tracker. D'accord? Donc, je m'explique. Lorsque vous êtes dans le système d'HS2 et que vous créez des éléments de données, vous allez voir que dans le line listing, il vous précise déjà le type de domaine de certains éléments de données. OK? Donc, lorsque vous allez à l'intérieur, vous verrez qu'il y a quelque part où on demande vous créez l'élément de données pour quel domaine. Est-ce que c'est pour l'agrégé, pour les formulaires agrégés, ou si c'est pour le suivi ou les événements tracker? D'accord? Donc, tous les éléments de données que nous définissons et que nous intégrons dans notre programme tracker sont forcément du domaine tracker. D'accord? Donc, il faut forcément qu'ils soient du domaine tracker. Et ensuite, nous les associons bien sûr au programme dans lequel on veut les voir. Et tout ça, tout ça. Donc, les ensembles d'options, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une liste de choix qui est là, donc qui nous permet de définir les réponses possibles pour une entrée, ce qui nous permet d'éviter aussi et que l'utilisateur entre ce qu'il a envie d'entrer ou bien fasse des erreurs sans le savoir. Et donc, c'est intéressant pour la qualité des données, c'est très intéressant aussi pour l'analyse, parce qu'on pourra faire les analyses aussi basées sur la liste qu'on aurait mis dans cet ensemble d'options. D'accord? Donc, les différents items que vous avez dans une liste d'options, c'est ce qu'on appelle les options. Donc, vous allez définir vous-même les différentes options. Ensuite, vous allez utiliser ces options pour construire votre ensemble d'options. Donc, exemple rapide, comme je vous ai donné tout à l'heure, si vous voulez une liste d'éléments qui contribuera oui, non, ne sait pas, je vais créer une option, je vais créer l'ensemble d'options, je lui donne un nom. Ensuite, à l'intérieur, j'ai défini chacune des options que je souhaite intégrer à cet ensemble d'options. OK? Et les ensembles d'options, très rapidement, donc dans les DHS2, donc on les conçoit au niveau de autres. Ici, on prend ensemble d'options. Et ici, vous définissez les différents ensembles d'options dont vous souhaitez et générer dans votre système. Donc, si je prends par exemple oui, non, inconnu qui est ici, vous allez voir que si je vais à l'intérieur, nous avons le nom de l'ensemble d'options, yes, no, and no. Donc, c'est le nom que vous avez dit, c'est dû à la traduction. Dans cet ensemble d'options, nous allons définir nos différentes options qui sont là. Donc, nous avons yes, no, and no qui sont là, le code. Donc, au besoin, je peux simplement ajouter encore une autre option qui met indéfini, je mets le code et dès que j'enregistre, vous allez voir qui va venir s'ajouter à cette liste, tout simplement. Donc, on va résumer tout ça. Et c'est beaucoup d'informations, mais quand vous êtes des habitués au tracker, je pense que ça va aller. Résumé, voici le flux d'informations sur les trackers. Donc, nous avons et l'entité qu'on va suivre qui est là, on enregistre avec les différents attributs. Donc, je prends Monsieur Alpha. J'ai créé son TEI en mettant son nom, prénom, date de naissance, numéro de carte d'identité, identifiant un système, dossier là et dossier registre ou bien dossier patient, etc. Tout ça. Et donc, après avoir enregistré tout ça, je l'inscris dans le programme pour lequel il est venu. Donc, mon entité, mon TEI peut être inscrit à plusieurs programmes. Donc, on peut le trouver à la fois dans le programme santé maternelle, on peut le trouver dans le programme et des soins pour enfants, ça peut arriver. On peut trouver ça dans le programme VIH, programme surveillance. D'accord? Donc, un TEI, dès que le besoin se présente, on l'enrôle dans le programme pour lequel il est là, tout simplement. Donc, si quelqu'un vient pour la vaccination, vous allez l'enregistrer, vous créez son TEI automatiquement et ensuite vous l'enrôlez dans le programme et registre vaccination COVID. Mais si ce même patient revient, par exemple, 3 jours après, pour peut-être des prestations relatives au VIH. Si vous avez son TEI qui est là, vous réenrôlez simplement la même personne dans le programme VIH. D'accord? Donc, vous ne recréez pas le TEI, vous le réinscrivez simplement au programme VIH. Donc, le patient n'est
créé n'est enrôlé qu'une seule fois dans le système avec ses attributs. Il peut arriver que lorsqu'il revient pour une autre prestation, vous avez besoin de certains attributs supplémentaires qui n'étaient pas là. Vous allez simplement les compléter, mais au final, vous ne créez plus son TEI, vous l'enrôlez simplement dans le programme pour lequel il est là. Ensuite, dans le programme, bien sûr, on va exécuter les différentes étapes qui sont dans le programme. Donc, comme pour la surveillance COVID, vous aurez la phase où vous avez les informations générales, les tests de laboratoire, les tests de laboratoire et l'issue du patient. Donc, voici un diagramme qui va permettre de voir plus en détail ce qui se passe à chaque stade, ainsi que les différentes variables qui entrent en jeu. Donc, les attributs de l'entité, prénom, nom et sexe, quand la personne vient, on crée le TI avec ses informations. L'entité suivie, c'est une personne, d'accord? Donc, on enroule les informations liées à la personne, qui est nom, prénom et sexe. Après, on inscrit la personne dans le programme approprié. Notamment ici, nous l'inscrivons dans le programme surveillance COVID-19. Et dans ce programme, nous avons plusieurs étapes, les étapes du programme. Donc, nous avons l'examen clinique, la demande d'analyse, le résultat du laboratoire et le résultat, n'est-ce pas, ici du patient. Ensuite, pour chaque événement, pour chaque étape, nous allons générer les événements en capturant les informations pour les étapes en question. Ici, par exemple, l'étape examen clinique, vous allez voir qu'il est là en une seule fois. Donc, on n'aura qu'un seul événement à l'intérieur qui va contenir les informations qu'on capture. Maintenant, pour l'étape demande d'analyse, vous allez voir qu'on peut faire plusieurs fois une demande d'analyse, avoir plusieurs résultats du laboratoire, bien sûr. Donc, pour cette étape-ci, nous avons plusieurs événements possibles que nous pouvons capturer. Autant de fois que besoin, nous pouvons capturer les événements à chaque fois. Et idem pour les résultats du laboratoire, nous allons permettre au laboratoire de saisir les résultats pour chaque demande d'analyse, autant de fois que besoin. Maintenant, le résultat final sera bien sûr en un seul événement que nous allons capturer à la fin. Et ensuite, si on revoit un peu les étapes, vous allez voir qu'au-delà des événements, voici les éléments de données pour lesquels nous capturons l'information. Et nous allons ici voir l'étape analyse qu'on capture en plusieurs événements. À l'intérieur, vous allez voir que nous avons les variables telles que le motif du test de laboratoire, le type de test qui a été fait et le type d'échantillon sur lequel l'analyse a été faite. D'accord? Et maintenant, au-delà de l'élément de données, si on prend par exemple le type de test, vous allez voir que nous avons assigné un ensemble d'options au type de test. Donc, lorsque vous renseignez le type de test, vous allez voir que vous avez un choix, une liste déroulante qui vous permettra de choisir s'il s'agit du PCR, du NAAT ou il s'agit d'une sérologie. D'accord? Donc, pour le type de test, vous n'avez que ces trois choix possibles. Donc, avec une liste déroulante, vous ne pouvez que choisir que l'une des trois réponses. Vous ne pouvez et saisir vous-même et ce que vous voulez comme type de test. D'accord? Ensuite, donc, et voici quelques exemples de programmes Packer que nous connaissons bien. Donc, nous avons par exemple le suivi des femmes enceintes, donc au prénatal. Donc, vous allez voir que nous avons un programme Packer où nous avons les différents CPN qui sont paramétrés. Donc, les différents CPN, par exemple, on peut faire ça en une étape répétitive. Donc, chaque fois que la femme se présente pour sa consultation CPN, on note la date, on note les traitements qui ont été faits, etc. Et maintenant, on peut mettre même l'accouchement comme l'étape finale pour l'issue du patient de la dame. Nous avons aussi le tracker sur, par exemple, la vaccination des enfants. Donc, vous allez voir un programme tracker pour lequel nous avons les différentes doses de vaccins qui sont échelonnées dans le temps et la dose de rappel également jusqu'à ce que l'enfant soit complètement vacciné. C'est à l'issue et l'étape finale de notre programme de vaccination. Et bien sûr, nous allons avoir aussi des programmes tracker où nous avons les patients qui reçoivent les traitements anti-rétroviraux. D'accord? Donc, avec un issue du patient aussi qui sera là, qui peut être décédé, donc, etc., etc. Et bien sûr, nous allons avoir aussi des programmes TB et nous allons suivre les traitements TB, chaque type de tuberculose et les produits donnés aux patients, etc. S'il y a un changement aussi, on note tout ça.
Souriage des maladies, bien sûr, c'est un classique qu'on connaît très bien. Souriage COVID, par exemple, que maintenant que tout le monde connaît bien. Et pour l'investigation des cas de paludisme également, etc., etc. Donc, il y a plusieurs facteurs que nous avons. Ça, c'est les plus utilisés, mais il y en a plein d'autres. Et qui ne sont pas forcément liés au suivi des personnes. Comme je l'ai dit, ça peut être des facteurs liés à la gestion des stocks, les MAS, ou bien suivi des établissements de santé, tout ça là. Bien, donc merci. Voici en gros la présentation sur les terminologies et le modèle de données d'HSE. Si vous avez des questions, je pense que le Slack est à votre disposition. Et donc, je vais donner la parole à Agnew. Merci. Agnew, à toi la parole. Allô, Agnew? Bien, en attendant qu'Agnew revienne, je pense qu'on peut regarder s'il y a des questions dans le Slack. C'est maintenant je vois un message. Il y a un bruit qu'on n'entend pas bien. Ah, j'espère que le bruit était parti depuis. Désolé. Ça, c'est dans la file des discussions, mais sur le Slack. Voyons voir. Sur le Slack. Ah oui, pas de questions. Juste dire merci pour cette présentation. C'est clair, nous souhaitons recevoir des questions. Ah, merci beaucoup, monsieur Domanfouli. Merci à Diaka aussi. Donc, je pense qu'Agnew doit avoir un souci peut-être avec son réseau. Je vais essayer de le joindre en off pour voir si peut-être nous allons clôturer la session. Mais nous restons toujours en ligne, bien sûr, sur Slack et pour tout besoin. Ah, je vois une petite question ici. Oui, Monsieur Diaka, toutes les présentations vous seront partagées, ne vous inquiétez pas. Et souvent, nous la déposons aussi sur le Moodle. Il y a une partie où il y a le matériel qui est déposé pour chaque utilisateur que vous pouvez récupérer à tout moment. Ça pour vous, il n'y a pas de souci, Monsieur Diaka. Une question de Monsieur Kouliga Bombasere, sur la base du modèle des données, serait-il possible d'avoir un diagramme des données pour une application tracker? Oui, je pense que c'est ce que j'ai présenté aussi dans le slide. Et quand on va partager le slide, vous aurez cité ce diagramme qui sera là aussi. Et c'est lorsque vous concevez les métadonnées, vous les documentez. Ça ressemble assez à ce qu'on fait avec l'agrégé, sauf que ici, peut-être, vous devez préciser les différentes étapes pour lesquelles vous capturez une donnée. C'est souvent la plus grande différence entre les deux. Sinon, il n'y a pas de souci. Avec les diagrammes du slide, je pense que vous devez voir tout ça plus clairement. Et je vais encore essayer de joindre Agnew en off. Ce n'est pas le cas. Non, je suis là. Ah, OK. Merci. Donc, c'est bon, Agnew, je te laisse la parole. Ah, bon. Je vais te passer le mot du jour pour que tu puisses clore. Le mot du jour, c'est force.
Donc, veuillez écrire force au niveau de la liste de présence jour 1 pour valider votre présence. D'accord? Bon, merci beaucoup. Nous allons clore la section d'aujourd'hui.